pour que Perpignan continue à regarder vers le haut du classement. Il fallait absolument que ces Catalans, déjà défaits à deux reprises cette saison à domicile, eh bien, il fallait absolument la victoire face à des Bayonnais, eux qui se montraient ambitieux en ce début de rencontre. Des Bayonnais en confiance après leur succès face à Toulouse. On joue depuis 4 minutes seulement. Lovo Balavou en bleu avec les couleurs bayonnaises est stoppé sur la ligne des 22 mètres. Monsieur Péchambert accorde un avantage en faveur de cette équipe bayonnaise. Mathieu Belli alors alerte son demi d'ouverture. Chandelle de Stephen Brett dans les 22 mètres, chandelle captée par Geoffrey Michel. Vous entendez le coup de sifflet de l'arbitre. On reviendra donc à cette pénalité. Et Stephen Brett, qui remplaçait dans cet exercice des tirs au but Bustos Moyano, laissé lui sur le banc, ouvre la marque. Et c'est Bayonne à Perpignan qui mène 3-0. La réaction catalane intervient très rapidement. 3 minutes seulement de jeu après cette première pénalité. Et Thomas Loulou, ici, qui s'offre un déboulé dans la défense bayonnaise. C'est Joero Kosoko qui finalement le reprend. Nicolas Durand a bien suivi. Il va alerter Votou. Mais Votou est plaqué sans ballon. Là aussi, Monsieur Péchambert intervient et offre à James Hook l'occasion d'égaliser. L'ouvreur et le buteur gallois ne se manquent pas. 3 partout entre ces deux équipes. Arrive alors la 32e minute dans cette rencontre et la plus belle action du match. 2 minutes 40 de jeu et de la folie aux quatre coins du terrain. Ça débute avec Lovo Balavou qui alerte ici Marvin O'Connor. Retour intérieur, on retrouve des soutiens avec Olivon. Bayonne joue un superbe rugby, on avance sur chacun des impacts. La défense bayonnaise, la défense catalane est limite aux abois. Et ici Marvin O'Connor n'arrive pas à se saisir de ce ballon, au contraire de David Marty. Turnover en faveur des Catalans et Sofiane Guitoun qui alors contre-attaque. Il échappe tout d'abord à deux défenseurs. Accélère, manœuvre parfaitement son dernier défenseur, mais Fuster lui aussi joue bien le coup. Il oblige Sofiane Guitoun à lever les yeux, passe parfaite au pied pour son 3/4 centre qui ne va pas réussir à se saisir de ce ballon. L'action va être stoppée puisque ici eh bien le 3/4 centre Votou se met à la faute. Magnifique action d'essai donc laissée en cours de route pour cette équipe catalane. James Hook, juste avant la pause, retrouve une occasion d'offrir 3 points d'avance à son équipe. Ce ballon s'envole dans les airs. Il y a beaucoup de vent à Aimé Giral et le ballon flirte avec le poteau. Il le touche même. Sofiane Guitoun lui a parfaitement suivi l'action et aplati cet essai au nez et à la barbe de la défense bayonnaise. Coup du sort pour cette équipe de Bayonne qui vraiment avait résisté durant 40 minutes et qui sur la sirène voit ce ballon heurter le poteau. Et Sofiane Guitoun toujours bien placé, impeccable ici, inscrire ce premier essai. Au ralenti, regardez Sofiane Guitoun, il est à gauche dans l'axe des poteaux, on le voit, il ne quitte pas du regard ce ballon, c'est lui qui sera le premier à pouvoir profiter de ce rebond un petit peu capricieux et permettre donc à son équipe de mener à la mi-temps 10-3. Le vent de la victoire souffle donc peut-être de nouveau Aimé Giral quand Bayonne de son côté voit ses rêves de victoire s'envoler. Au retour des vestiaires, en effet, Perpignan ajoute une nouvelle pénalité et accélère par Tom Ekochard, le demi-mêlée remplaçant de Nicolas Durand. Thomas Ekochard qui ici franchit la ligne, a-t-il aplati? Monsieur Péchambert demande la vidéo au ralenti. Un en avant est commis par le jeune demi-mêlée bayonnais. L'essai ne peut donc être validé. Partie remise seulement pour les Catalans puisque sur la mêlée qui suit 2 minutes plus tard, et bien c'est ici Luc Naraoué, à peine entré en jeu, qui s'échappe de la mêlée et aplati dans l'embut. Récompense enfin des énormes efforts faits tout au long de la soirée par cette équipe catalane, par cette équipe de Perpignan entraînée par Marc Delpoux qui voit ses hommes mener 20-3 mais qui voit aussi son équipe se relâcher. Bayonne alors en profite, on joue les dernières minutes dans cette rencontre. Le match est plié 20-3 pour Perpignan. C'est sûr, la victoire ne sera pas bayonnaise, mais les Bayonnais vont tout donner, ne rien lâcher dans les dernières secondes. Et Bastien Fuster, ici eh bien en bout de ligne, vient concrétiser et récompenser le bon travail, la bonne prestation encore une fois de cette équipe bayonnaise qui malheureusement pour elle, eh bien, doit une nouvelle fois s'incliner et s'incliner sur un score très lourd, 20-8, victoire finale donc pour les Catalans. 9e défaite en 9 matchs à l'extérieur pour des Basques qui n'ont jamais rien lâché mais qui repartent sur le bonus défensif pourtant mérité au vu de la rencontre. Soulagement en revanche côté catalan. Perpignan met fin à une série de 5 défaites en top 14. Un joli cadeau de Noël, certes avec un peu de retard, mais qui lance parfaitement cette année 2014.